Yop tout le monde, c'est Wesh, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien aujourd'hui. On se retrouve sur Rocket League. Et voilà, tu l'as vu sur le site en même temps. Ouais, doucement le site, tu vas te mettre à droite. C'est mon deuxième écran, c'est bien. Donc bon, on se retrouve sur Rocket League surtout parce que je voudrais vous montrer quelques petites choses en même temps que vous lire un petit peu ce qu'il y a de nouveau. L'idée de cette vidéo, vous avez déjà vu soit la vidéo de quelqu'un d'autre en ce qui concerne la mise à jour, soit vous avez tout découvert par vous-même. Moi, je fais cette vidéo, c'est vraiment parler de tout, de A à Z, en tout cas lire ce qu'ils nous ont sorti comme patch, donc 1.35 de la mise à jour anniversaire, donc c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et l'idéal ce serait qu'à la fin de cette vidéo, bah, vous sachiez tout ce qu'il y a de nouveau, et puis voilà, en tout cas on va parler franchement des trucs les plus intéressants, je vais faire ça comme un bourrin, je vais d'abord vous montrer, hein, au niveau des récompenses, donc on en avait parlé, hein, j'en avais parlé dans une vidéo. Et oui, je place une petite dédicace, vu que cette vidéo sortira avant que je présente la voiture ici que vous voyez. Je connais même pas le nom de cette bagnole. Ah ouais, c'était l'Animus GP. J'ai bien lu, hein, Animus GP. Donc grosse dédicace. Attends, on va chercher son pseudo parce que j'ai déjà oublié. Je sais que c'était un truc avec Galam. On va voir. Voilà, j'étais pas loin. Non, c'est ça, Galam. Donc Quantique, Galam, dédicace à toi pour merci de m'avoir prêté cette Animus GP qui fait grave plaisir, franchement, aux couleurs du Brésil. Elle est grave stylée. De toute façon, je vous en parlerai plus en détail. Watch, j'avais pas vu l'arrêt. Je vous en parlerai plus en détail lors de la prochaine vidéo où je testerai, bien sûr, et je vous donnerai mon avis complet. Bon, je vais juste vous montrer ce qui est arrivé avec la mise à jour. Ce qu'il y a de nouveau. D'ailleurs, bah, justement, je sais pourquoi j'ai mis le Exed. Il a changé, hein. Le Exed a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient plaint du Exed en disant « Ouais, les couleurs sont dégueu, pourquoi ils ont changé ?» Voilà, ils ont remis. Donc maintenant, comment vous dire? Donc si je fais ça, je prends ça, je mets le Exed. Tu vois, on voit vraiment bien le blanc. Je parle de la deuxième couleur, hein. Rappelez-vous que la deuxième couleur, elle était difficile à distinguer. Tu vois, maintenant, on voit vraiment le changement de couleur. D'ailleurs, ces couleurs sont stylées quand même. Tu mets un peu moins. Attends, je viens de faire des couleurs stylées carrément. Non, bon, la deuxième couleur, elle est grave. Franchement, elle passe crème. Elle passe crème et ça fait plaisir. Et du coup, ça, c'était le petit détail, voilà, que j'avais envie de vous dire directement. Du coup, niveau récompense, je vous avais parlé des traînées. Regardez un petit peu les nouveaux trucs. Hein. À mon avis, vous avez déjà tout vu. Voilà, ils sont ici. Les petites traînées par rapport à votre rang. Donc platine, etc, etc, etc. Alors, je vous avais parlé également, donc quand vous allez dans jouer en ligne, trouver dans compétitif, voilà, t'as tous tes grades. Et tu vois, ici, tu dois faire 12 victoires. Déjà, ils avaient dit 20. Apparemment, ça a changé. Mais, ou alors, c'est 12 victoires pour... Juste devant, en fait. Attends, niveau de récompense, saisonnier. Saisonnier, je sais pas lire. Au rang bronze pour progresser, hein. Bon, apparemment, faut faire 12 victoires, ils avaient dit 20, je sais pas trop, c'est quoi le délire, mais bon, s'en fout. Donc du coup, toi, ce que tu fais, tu joues tes matchs, tu choisis ton mode, déjà, ça a changé, la présentation est grave stylée comme ça, hein. On ne va pas faire genre, ça fait un peu design, tu vois, ça fait un peu genre t'es sur téléphone. Moi, je kiffe, hein, sur Android, t'es en train de cliquer, franchement, ça fait stylé. Moi, j'aime bien, j'aime plutôt bien, pareil pour ici. Donc évidemment, ici, c'est le nom classé, puis t'as tous les modes qui sont séparés directement. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Après, je sais pas si quand ils vont rajouter des modes. À mon avis, il y aurait une deuxième ligne ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment ils vont se démerder. Donc là, t'as les arènes, comme d'habitude, avec les pouces verts et les pouces rouges. Et d'ailleurs, elle est ici, Champions File. On va aller s'incruster sur cette map, déjà d'ailleurs, tout de suite. Vous inquiétez pas, hein, je fais cette vidéo un peu à l'arrache. Moi, je vous montre tous les trucs les plus intéressants, attendez. Déjà, ils ont changé le nom, ils ont retraduit un petit peu. C'était noté showroom, donc salle d'exposition. Voilà, ils sont dit on va changer quand même quelques petits trucs. Pour être gentil, on va changer quelques petits trucs sympas. Donc là, je m'en fiche un petit peu de ce qu'ils ont changé. Où est-ce qu'elle est? J'ai perdu patience, j'ai branché ma mallette. Ok. On testera cette voiture plus tard, j'ai des choses à vous dire. Je suis en train de regarder vite fait la map. Ouais, comme un bourrin, moi je suis un gars comme ça. Franchement, il y a un truc que je dois dire sur la map. Attendez deux secondes. Ah, le gazon. Je veux pas vous mentir. Mais moi, c'est un kiff qui est déjà perso niveau réalité. C'est-à-dire que les terrains en forme, en diserclic, je pense, avec des cercles, enfin, le gazon en forme de cercle, etc. Tondu en tout cas en cercle, c'est un kiff perso. Je trouve les terrains comme ça, vu du dessus. Alors, je sais pas si... Voilà, je sais. Franchement, c'est juste magnifique.
Franchement, c'est juste magnifique. Je kiffe. Je kiffe ma race, c'est vraiment un beau terrain. Ils ont bien fait de l'ajouter parce que, puis il est gratuit, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau terrain. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Je vais maintenant sortir, voir si j'ai pas oublié encore un petit truc à vous dire. Après, je vous lis en long et en large ce qu'il y a d'intéressant. Et je pense vous avoir montré les trucs qui moi m'ont sauté aux yeux dès que je suis arrivé. Je vous ai montré les boosts. Ça, on va en parler de toute façon. Donc ça, c'est le bruit des moteurs. Je préfère lire ce qui sera nos... Moi, je vais vous dire quel moteur est violent. Où est-ce qu'elle est la Batmobile? Ils l'ont appelé comment? Le bruit, les gars. Le moteur de la Batmobile, elle est où? Non! Ils l'ont appelé comment? C'est un bruit de cochon, ça. Takumi, ça passe crème. Et je crois qu'ils ont pas eu les droits sur la Batmobile ou alors je suis aveugle. Donc, je vous mets le site. Voilà, je vous mets le site comme ça, on passe rapidement en revue ce que nous dit le site, même si je vous ai montré quand même à l'image ce qu'il y a de nouveau et sympatoche. Donc, niveau vraiment nouveauté, nouveauté. Donc, dans les grandes lignes, on sait déjà que le Champions Flash, je vous l'ai montré, c'est la nouvelle map. Elle est disponible dans tous les modes, en classé, en non classé, dans tout ce que tu veux. Engine Audio, Mago, l'explosion et les traînées sont maintenant ajoutées. Et même dans la customisation des... Bon, bref, on s'en fout, ça veut dire que en gros vous pouvez les utiliser dans les personnalisations de voitures. C'est marrant, allez, c'est cool. Ensuite, Overdrive, c'est la nouvelle caisse. La nouvelle caisse, bah, elle est disponible, on le sait. Juste info, arrêtez de poser la question. Vous pouvez drop les caisses en classé, comme on l'a classé, en 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4. Et en 1v1, 2v2, 3v3, sur le standard, tout ce que tu veux. Tu peux les drop dans tous les modes que tu veux. Ça va? Donc arrêtez de poser la question. Ensuite, les Champions Crate, c'est les caisses 1, 2, 3, 4. J'avais fait une vidéo pour expliquer qu'elles ne seront plus disponibles. Donc ça c'est fait. La saison 4 qui se termine, la saison qui commence, j'ai fait une vidéo. Ça c'est fait. Tu vois, tu cherches dans mes vidéos, j'ai tout expliqué de A à Z comment ça se passe. Rick et Morty, là, c'est des items. Ils sont gratuits, c'est tout ce que nous on veut. Ils sont gratuits, vous allez dans vos trucs. Je crois qu'il faut les drop ou je sais pas, on s'en fiche. Ça c'est pas important. Au niveau contenu, nouveau contenu, je dirais même, Champions Fight, donc on sait qu'elle a ajouté dans playlist privée tout ce que tu veux. Starbase, on s'en fout, ils ont mis des trucs nouveaux, mais moi j'aime pas Starbase, j'en ai rien à kick. Le boost pad, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc le boost pad, on s'en fiche. Au niveau des caisses, Overdrive, Creed, ouais, ils ont été ajoutés. Quand tu reçois, quand t'as reçu la caisse Overdrive, ça affiche Create Overdrive dans ton aventure. On s'en fout, la série champion Create a été remis, ça, je l'ai dit au-dessus. En fait, je vous ai déjà tout dit ce qu'il faut, hein. Le plus important, je vous l'ai dit. Ici, ils disent quoi? Les traînées sont maintenant disponibles dans le menu. Ouais, ça, ben, vous savez, hein, je vous l'ai montré en plus. Donc, les traînées apparaissent derrière les roues, mais ça, on le sait, je vous l'ai expliqué en plus. Chaque joueur... la traînée classique, donc ça je peux vous le montrer même, je pense, pour vous faire comprendre ce que c'est. C'est là l'avantage d'avoir le jeu. Donc t'as la traînée ici classique, elle est là, ça tout le monde l'a, hein. Ça tout le monde l'a, on l'avait déjà tous, bang. Puis t'as les traînées en fonction de tes grades que tu connais, tu vois. D'ailleurs j'ai une petite préférence pour le diamant. Franchement tu fais... Là j'ai mis ça parce que ça va bien avec ma couleur, mais attends. Oh purée, en 2 secondes j'ai déwanné le bazar ici. Si tu prends... Où est-ce qu'elle est? Voilà, on va prendre ça par exemple. Bang bang bang. Et tu prends le bleu ici. Regarde comment ça donne trop bien! Ça aussi, même ça c'est bien. Tu mets des roues qui ont plus ou moins la même couleur et c'est bon, t'es parti. Mais ça claque trop. Et attends, elle est rose? Ouf! Quand même, c'est une très bonne idée de nous avoir mis des traînées. Franchement, je kiffe ma race. Je kiffe ma race. On continue. Donc, ça dit quoi? Chaque joueur, ça je l'ai dit. Plus de traînées seront disponibles dans les caisses Overdrive. Intéressant. Intéressant. D'ailleurs, je n'ai pas de caisse Overdrive pour vous montrer. Mais on s'en fiche. On continue. Ensuite, les explosions. Des goals. Les goals explosions sont maintenant disponibles dans le truc de customisation. Ça, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, tu fais hop. Ici. Non, c'est pas ça. Ici. Voilà. C'est cool.
Par contre, on va enlever parce que si on entend le goal à chaque fois, ça aussi on va enlever, sinon ça va, ça craint. Donc ça, je vous ai montré. Ensuite, donc chaque joueur, bah, il a forcément le goal d'explosion classique, c'est un peu le même principe. Les nouvelles explosions de but sont disponibles en tant que... Bah, vous pourrez les drop tout simplement dans les matchs en classé ou en non classé. Donc apparemment, ce sont les styles de goal qu'il y a. Donc attends que je regarde par moi-même. Effectivement, on a du vert, du rose, du orange et du pourpre, ou je sais pas quoi, on s'en fiche. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est sympa, il y a plus, ils disent qu'il y en a qui sont disponibles dans Overdrive. Donc en fait, c'est plutôt cool. Ils ont mis à disposition dans cette caisse. C'est dommage que je l'ai pas sous les yeux. Il y a sûrement un screen, hein, mais bon, on s'en fiche. De toute façon, vous verrez par vous-même. Mais c'est sympa qu'ils aient mis ce genre de truc à drop. Ça change un petit peu et c'est pas plus mal. Ensuite, niveau moteur audio, je vous ai montré, ça rien que je vous en parle. Donc, t'as les moteurs de toutes les battle cards, tu choisis comme tu veux. Soit tu fais comme t'as envie. Je m'en fiche. Drapeau communauté, on s'en fout. Tu veux, je crois qu'il faut les drop, mais attends, on va quand même vérifier. Mais je pense qu'il faut les drop. Niveau communauté, c'est le truc que j'ouvre jamais, tu vois. Le truc que j'ouvre jamais, je sais même pas s'ils ont ajouté. Voilà, on s'en fiche. Ah, il y a Discord. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est ce truc-là, je l'ouvre jamais. Je l'ouvre jamais. Jeux vidéo, peut-être. Je crois qu'il faut les drop. Bah, il faut les drop, en fait. Il faut jouer, il faut les drop. Bon, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, on a des nouveaux idées, des nouveaux petits trucs. D'ailleurs, je pense que c'est ça. C'est le Monster 4, je sais pas quoi. Il m'a l'air sympa le perso qui s'assied sur la voiture. Le bleu là, il me fait délirer. Mais, et l'antenne là derrière, elle est plutôt sympa. En plus, elle est fait en sorte. C'est fait en sorte que. Regardez, tu vois, il est en mode je vais tomber. Comme, parce que quand t'accélères, t'as l'antenne qui va un peu. Derrière, on s'en fiche. On continue. Rick et Morty, c'est, les articles Rick et Morty sont maintenant disponibles. Bah, tu peux les drop en faisant des matchs, tout simplement. Et, ah, bah voilà, donc j'avais raison, ils sont là, tous les items. Que tu peux drop. Ensuite, RLCS saison 3, qu'est-ce qu'il nous raconte les joueurs qui ont assisté, oui, c'est vrai, il y avait des joueurs qui ont assisté en fait au RLCS, qui ont reçu au moment de l'achat de leur ticket un code. Ce code, tu l'entres dans ce truc, il me semble que je dise pas de conneries, extra code d'échange, il me semble que tu rentres ce code ici. Attends, deux secondes. T'imagines ce... Dommage. Tu rentres ton code et tu reçois un truc apparemment dit comme rare, forcément, parce que je sais même pas si tu peux les échanger. Attends, ils le disent. Ah, ben voilà, ils sont pas échangeables. Et voilà, tu vas dans extra, c'est live random code, c'est exactement ce que je viens de dire. Bon voilà, tu t'as été, moi j'ai pas été, donc on s'en fiche. Ça, c'est les traînées, je vous les ai montrées. On s'en fout, on passe à la suite, franchement on s'en fout. Alors au niveau des changements et mises à jour en général on va essayer de faire super vite. On va s'intéresser à ce qu'il y a de plus intéressant. Donc les joueurs peuvent maintenant créer 50 presets, on s'en fout, mais tu le sais maintenant. Donc change preset, bouton je sais pas quoi a été ajouté. The end of the game lobby. C'est sérieux ça, regardez. Attendez, c'est sûr de ça? Ça veut dire qu'en gros je peux changer de bagnole? On va faire quoi? Créer match, un but, créer match, créer match. 2 secondes les gars, 2 secondes. On lit le prochain en attendant. Il dit quoi au suivant? Dodge dead zone. Ah, dead control, c'est quoi ce truc? Donc setting le control. En gros, je crois avoir compris. Je vous explique ça parce que c'est un peu dur à expliquer en vérité. Je dois juste vérifier un truc. Ouais, ma voiture est dégueu. On s'en fout. Je vais vérifier un truc. Juste vérifier un petit truc. Donc en gros, on peut changer notre bagnole directement depuis le menu. Enfin, sans aller au menu principal. Ça, c'est un add-on qui est très 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 intéressant. Merci Morty. Oh, oh, ok, comme ça. Ok, donc là, va falloir vraiment que je trie un petit peu mes presets. Parce que là, c'est dégueulasse. Hein. Flash McQueen, je sais même pas c'est quelle voiture. Takumi Red, je sais même pas c'est quelle voiture. Takumi Brésil, non mais n'importe quoi. Intéressant, on peut même aller en entraide, bah, ou alors on savait déjà le faire, ou, franchement j'ai même pas fait gaffe, mais en tout cas le changement de preset, ça c'est un add-on qui, franchement cette mise à jour elle est excellente, je suis en kiff, c'est des trucs qui sont vraiment, j'ai envie de dire même Battle Cars, hein, SRPBC, parce que c'était déjà dans SRPBC, et puis voilà, en gros, pour continuer, le truc de Dead Zone là, tu vois quand tu fais un kebab,
Bah, tu sais très bien c'est quoi un kebab. Si tu sais pas c'est quoi un kebab, c'est que tu me suis pas depuis le début, tu vois. Si tu me suis depuis le début, depuis un moment, tu sais c'est quoi un kebab. Un kebab, ben ce truc qu'ils ont ajouté, apparemment, c'est pour éviter de faire des kebabs. Tu vois, quand tu veux monter, tu veux faire une fusée, ouf, tu fais un double saut en arrière. Ah ben tu sais changer tu peux augmenter, c'est une dead zone, une limite si tu veux. On va mettre en centimètres. On va dire qu'à partir de 1 centimètre, ça fait un kebab. Enfin, tu fais un double saut. Ah ben avant 1 centimètre, ça va pas faire de double saut. Tu vois, c'est dur à expliquer. Et retiens comme je te dis, ce truc-là, tu le règles pour éviter de faire des kebabs. Tu retiens comme j'ai dit et tu vas te démerder, t'inquiète pas. Et là, ils te donnent juste la valeur par défaut 0,5 et le maximum c'est 1, donc tu te démerdes avec ça. Bon, les roquettes Trace ont été ajoutées et renommées Rocket Boost, on s'en fiche. Quand tu appuies Start dans le online playlist, Start de matchmaking, on s'en fout. Le Boost Meter et Rumble Power. Ça veut dire qu'en gros, le Boost et le Rumble, je sais pas quoi, ont été ajoutés dans le spectateur mode. Je m'en fiche en fait. C'est des add-ons, franchement, je m'en fous complètement. Quand t'es spectateur, tu fais un live et que tu fais un tournoi, c'est intéressant. Tu vois le Boost, c'est plus intéressant, on va dire. Bah, c'est cool, ouais. Parce qu'il y en a, ils mettent des boosts à sortie à l'eau. Bah, c'est intéressant, mais on s'en fiche. Ici, donc ça, j'ai dit. Oh ok, ça c'est intéressant, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'oublier d'enregistrer mon replay. Donc là en gros c'est à chaque fin de match on t'envoie une image, un truc, je sais même pas comment ça se présente, pour te dire que vaudrait mieux que t'enregistres, t'as fait un truc de ouf. Pour continuer, maintenance mode. Message a été ajouté au matchmaking, machin truc. We'll see this only when play. Ok. Bah, en fait, c'est un genre de mode de maintenance pour nous prévenir qu'il y a une maintenance. Ouais. Ouh, c'est un gros add-on. Bon, le reste, on s'en fout. Nanana, ouais, on s'en fiche complètement. Saison 4, donc ça, c'est ce dont je vous avais parlé. Avec le titre, si vous avez été grand champion, ce qui n'est pas mon cas. Donc, moi, j'ai eu que ça. Enfin, que c'est déjà bien. Mais bon, voilà. Donc, petit, je vais quand même lire, on sait jamais. Voilà, c'est le truc que vous allez recevoir en ayant atteint le plus haut grade dans Rocket League. Hein. Donc si vous avez, enfin vous avez compris, je pense normalement vous avez déjà eu vos récompenses. Si t'as atteint, champion, puis que t'as été rétrogradé en platine, ben t'auras quand même les récompenses jusque champion. Voilà, t'as compris? Voilà, c'est bon. Ensuite, compétition de saison 5, voilà. Compétition de saison 5, il a commencé. La nouvelle saison 5, reward level, a new. Ouais, ça, je vous avais expliqué, c'est dans une précédente vidéo. Ça, il faut aller voir, j'ai pas besoin d'en parler. Donc ici, attends, ça je vais lire un petit peu. Je vais bien lire parce que là ça a l'air d'être plutôt intéressant. Donc mise en œuvre d'un nouveau genre de standardisation de voitures qui. Bon, en gros, ça va différent. En fait, le tri va se faire via les hitbox. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour cette version. Ça va se passer comme ça. Donc la Octane, donc tous ceux qui ont les hitbox de la Octane, Dominus, c'est ce qui est noté hein, ici. Bam 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 bam. And hitbox between cars and the same type. Voilà, plus ou moins les mêmes types. Bon voilà. On s'en fiche un peu, je crois. On s'en fiche un peu. User interface, the find match window has been updated. Donc ça, je vous l'ai montré. Ça a un petit peu changé. Ouais, en fait, ils vont vous recommander carrément une région par rapport à votre connexion. Ping. Voilà. Donc en gros, ils vont te recommander, par exemple, tu habites en Belgique comme moi, bah, ils vont te recommander Europe pour que tu aies un bon ping. Sans que tu fasses. On sait jamais, tu mets Asie sans faire exprès et tu te retrouves avec 1000 de ping, tu vas rien comprendre. Ici, c'est un nouveau message d'attention. D'attention, ça veut dire tu vas ramasser une claque. Par rapport au trade, et oui, ça je confirme, quand j'ai fait le trade, j'ai un message qui s'affiche pour me dire que reste tranquille, tu vois, sinon tu vas te faire ban. Sinon, au niveau audio, on en a parlé. Ils ont ajouté des musiques, mais ça je m'en fous, complètement. Musique playlist has been update, Rocket League Radio. Ouais, mais j'ai pas l'impression que tu peux mettre tes playlists. Ou alors, je sais pas. Ensuite, les bugs. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants. On va commencer vite fait par le début. Donc. Pas ça le début. Ah si, c'est ça. Donc, les démolitions ont été mises à jour. Plutôt sympa. Et je viens de. Attends. C'est vrai qu'on avait eu des conneries sur les explosions. Parfois, tu exploses pas des trucs comme ça. Bah là maintenant, c'est bon. Là maintenant, tu pourras exploser, je pense. Ils vont régler tous ces petits problèmes. Ensuite,
Je lis hein, les trucs les plus intéressants. Ici, là, il y a un truc intéressant. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça a été fixé, le bug avec le Hexed et le Snake Skin décal qui changeait en fait la couleur. Voilà, ils l'ont changé. Je peux même vous le montrer. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Regardez. C'est plutôt cool. Par contre, j'ai pas testé le truc du Snake Skin. Une octane ici. Est-ce que j'ai le Snake Skin? Comme par hasard. Où est-ce qu'il est? La octane normale, dites-moi que je l'ai. Mais quoi, j'ai plus de Snake Skin ou quoi? Dominus, où es-tu? Ah! Non, ça. Non, je ne pense pas que ça a changé. Je ne pense pas que ça a changé. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. En tout cas, apparemment, ils ont fait des changements, mais on s'en fiche. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait d'intéressant. Je continue, hein. De toute façon, je coupe au montage. Je vous fais un petit montage. Je vous prends que les trucs intéressants. Le reste, on s'en fout. Bon, bah j'ai un petit peu lu tout ça, il y a des trucs pas trop intéressants, le reste on s'en fiche. En tout cas, je vous ai sorti ce que moi je trouvais le plus intéressant et utile. Le reste, on s'en tartine un petit peu. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller lire par vous-même si vous avez envie. Je vous ai dit franchement dans les grandes lignes ce qu'il y avait d'intéressant. Et puis voilà. Donc bon, j'espère que cette vidéo va que vous aura plu quand même. Et puis on se retrouve tout simplement la prochaine vidéo. On s'en va tester, je pense, cet Animus GT. Animus, hein, je dis pas que. Ouais, Animus GT, GP, GP, pas GT, GP, ouais, GP. Je vais dire GT, je pense, dans toute la prochaine vidéo. Mais bon, voilà. Ma dédicace, je l'avais faite. Et qu'est-ce qui me reste à dire? Bah rien. Franchement, kiffer cette nouvelle mise à jour. Franchement, moi, je trouve que ça fait plaisir. Beaucoup d'améliorations. Et on est dans le bon. On est dans le bon, faut continuer comme ça. Et puis voilà, moi, ça me fait kiffer. Moi, je vous dis ciao, t'es wesh, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et puis on se capte. Allez, ciao, bye, peace, yo. Couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on.